problème est ça. Mais il y a ça la mobilisation. Il y a combattant. Premier jour, il y a ouverture, il y a parlement. Les années le 15 septembre. Puis on est en Assemblée nationale. Nous sommes dans le discours, il y a Janine Mabou. Mais nous voyons que ça vient de l'homme. L'incapacité de gérer la société et mon ami soit battu. Cette famille, pendant plus de 37 ans, a rendu la vie difficile dans Mobutu, dans Mouzé, dans tout le monde. Cette famille est une famille qui va donner des leçons. A montré que Bango Bazaki est supérieur à l'écart qui battu. Vous êtes à l'œuvre. Manifestez votre intelligence, vos capacités de mieux gérer le pays. Si on vous attend à Bino Yangwana, il n'y a pas de tribalisme au Congo. C'est vous des tribalistes. Avant, il y a un mutu tribaliste, mitala d'abord yo moko. Avant, il y a un mutu tribaliste, t'as d'abord un sommet à l'État. C'est là où l'exemple viendra. Regarde la composition de la présidence de la République, le cabinet du président. Regarde les nominations. Il y a président Abino. Est-ce que ma nomination wana est allée qu'on reflète l'unité et allée qu'on reconnaître ma particularité culturelle qui compose le Congo? Ce que tu l'as nommé Mouloubate a nommé Touti. Ce que tu l'as nommé Touti a nommé Moulouba. C'est comme ce qui tu vas dénoncer. Manière wana ya ko exclure, ya ko discriminer ba ngala, ba Congo, ba Swahili, ba Tumuse comme un problème. On va le dire. Là, Martin Foyloangani, à l'oban, à Zana et Kounate, ya va ineka nien, à l'obika ake, oui, on a violé la constitution, il faut que le parlement fasse son travail. Ma benini, Martin Foyloasali. Donc, Bino Bolingi, Martin Foylou, à l'obate,
a participé dans le débat politique. Bon, on va faire la politique pour nous. Nous sommes égaux en tant que famille politique. Il n'y a pas une famille politique qui a la supériorité sur l'autre. Il n'y a pas une famille politique qu'on a investie pour la violence et les actes d'antivaleur et une autre qui est là, toute pacifique, et qui est là en train de regarder et de subir. Surtout lorsque, quand les dégâts arrivent, nous sommes surpris d'entendre les autorités de l'UDPS dire que ce sont des complots du FCC. Chaque fois qu'il y a des événements, nous sommes patients, nous regardons. À Kasumbalesa, on fait des histoires. À la fin, on dit c'est un complot du FCC. Nous ne pouvons plus continuer sous cette lancée-là. Chaque fois que ça ne va pas, ils disent le FCC veut mettre en accusation le président de la République. Le ministre est là, il est au gouvernement, il est à la conférence des présidents. Il vous dira peut-être à la fin de mon allocution combien de fois ils ont mis à l'ordre du jour l'accusation du chef de l'État dans les réunions du FCC. Parce que nous voulons que chaque parti puisse s'assumer. Le président de la République est président de la République. Nous, nous considérons que dès lors qu'il est président de la République, il n'engage pas l'UDPS. Les autorités de l'UDPS doivent être responsables de leurs actes. Ils ne doivent pas poser des actes. Quand on s'en prend à eux, ils disent non, le FCC veut mettre en accusation le chef de l'État. Nous respectons le chef de l'État, il est le président de la République. Et par conséquent, eux, ils sont responsables du parti et doivent assumer tous les actes qu'ils posent en tant que responsables des partis politiques. Nous avons besoin qu'on respecte les lois de la République. Nous voulons la paix au niveau du Haut-Katanga. Parfois même, à caractère tribal, je le dis parce que je dois y revenir, la tension tribale est causée par un groupe de gens. Au FCC, nous avons beaucoup de gens qui sont du Kassai. Et nous les respectons pour leur choix. Mais il y a un groupuscule de gens, agissant au nom de leurs intérêts, veulent intégrer toute la communauté kassaïenne là-dedans. Nous disons non. Qu'on ne nous mette pas dans ce piège-là où on veut nous piéger parce que nous avons des Kassaïens qui sont nés, qui ont grandi ici et qui sont avec nous et qui respectent les populations locales qu'ils ont trouvées et qui sont avec nous en harmonie. Mesdames et messieurs, je vais terminer. Nous soutenons la coalition. Parce que nous pensons que nos querelles entre partis politiques ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt de notre population. Nous avons choisi d'être ensemble avec nos amis de CASH pour que nous puissions ensemble développer le pays, faire respecter les institutions et aller de l'avant. Mais j'aimerais le dire et le redire. La coalition FCC-CASH est fondée sur les valeurs et non sur les antivaleurs. Le FCC doit continuer à promouvoir les valeurs républicaines et bannir toute forme d'antivaleur. Monsieur le gouverneur, ne protégez pas un cadre du FCC qui s'évertue dans des actes des antivaleurs, parce qu'il va ridiculiser notre famille politique. Nous l'exigeons des autres, nous devons être l'exemple.